Il était dévasté par les drogues et l'alcool, se souvient Leila da Rocha. La compagne de Patrick Dupont durant 17 années s'est confiée ce vendredi 17 février au Figaro, à l'occasion de l'hommage aux danseurs fait par l'Opéra de Paris. Elle raconte comment ils se sont rencontrés autour d'un café en 2003 et comment elle l'a tiré de l'enfer par la suite. J'ai découvert un homme abîmé, dans le chagrin, la tristesse et la solitude. Il avait tout perdu. Ses amis, ses fans, son maître, Max Bozzoni. Point. Il avait eu son terrible accident de voiture après lequel le professeur Saillant lui avait prédit qu'il ne remarcherait sans doute pas, énumère-t-elle dans les colonnes du quotidien. Et d'ajouter, il pesait 51 kg au lieu de 70, son poids de forme. Il était dévasté par les drogues et l'alcool. On a commencé une conversation qui ne s'est jamais interrompue. Mon cœur s'est ouvert, j'ai fait ce que j'avais à faire, raconte-t-elle encore. Elle m'a recadré quelque temps après cette rencontre. Leila da Rocha a proposé à Patrick Dupont de venir s'installer chez elle à Soissons où elle vivait avec sa famille. Elle a ainsi pu veiller sur lui jour et nuit et ce, pendant 7 ans. Elle a pris soin de lui lors de sa désintoxication. Mais par 2 fois, il a rechuté. Lorsque les médecins lui ont annoncé qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps en 2008, ils se sont mis à danser en duo. Ensemble, ils ont aussi créé les White Eagles, une compagnie de danse qui œuvre pour plusieurs causes. En pleine chimiothérapie, 3 mois avant son décès, Patrick Dupont a fait promettre à sa partenaire de continuer. En août 2020, le danseur classique disait de Leila qu'elle était un être spécial. Elle croit à ce qu'elle fait, même si elle se trompe. Elle m'a recadré, si est-ce très similaire à ce que j'ai connu avec mon maître Max Bozzoni ou Maurice Béjart. Moi tout seul, j'explose en vol, avait-il déclaré au Figaro. Crédit photo, Koadik Guirec.